Je suis le docteur Clarotti, je suis biologiste au sein du centre d'aide médicale à la procréation et je m'occupe plus particulièrement du don de gamètes. Les personnes qui peuvent donner, donc ça peut être des hommes qui ont entre 18 et 45 ans, qui sont en bonne santé. Il n'est pas nécessaire d'avoir des enfants pour donner. Il y a en moyenne tous les ans entre 20 et 25 donneurs au CHU de Caen. Les demandes sont bien plus fortes puisqu'on est autour des 300 demandes par an. Donc un don peut être attribué à plusieurs couples. Quand un donneur souhaite faire don de ses spermatozoïdes, il est reçu sur une demi-journée. Il va rencontrer la généticienne. Il va évaluer si dans ses antécédents médicaux, dans sa famille, il y a des maladies génétiques qui pourraient être transmises à l'enfant. Il y a un entretien avec la psychologue, une consultation avec une biologiste qui va permettre aussi de prendre les caractéristiques physiques du donneur, de les noter et puis de faire signer des consentements. Et il y a une prise de sang à faire. À l'issue de cette demi-journée, le donneur est convoqué au laboratoire environ 3 voire 4 fois pour réaliser des recueils de sperme. Ces recueils se font directement au laboratoire au CHU et on va pouvoir congeler un certain nombre de spermatozoïdes qui pourront être ensuite utilisés. La loi limite à 10 naissances par donneur. On ne peut pas y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Le donneur n'est pas informé du nombre de naissances issues de ses dons. Il faut plusieurs profils de donneurs. Quand on choisit un donneur à attribuer à un couple receveur, on essaie d'être concordant pour ne pas introduire une différence qui serait marquante dans la famille du receveur. On ne peut pas choisir le donneur. Dans certains pays, c'est autorisé, mais pas en France. Le choix du donneur est anonyme. Le tempérament du donneur n'influencera pas le tempérament de l'enfant. Il y a des choses qui sont génétiques, c'est sûr. Ce genre de choses, c'est plutôt de l'acquis. C'est l'enfant va imiter plutôt ses parents qui l'auront élevé. C'est un beau geste, ça permet vraiment à des couples et des femmes non mariées de réaliser leur projet parental. On est vraiment en manque cruel de donneurs, donc c'est vrai que si vous vous sentez sensibilisé, il ne faut pas hésiter à nous contacter et puis on pourra répondre aux interrogations et peut-être lever certains doutes et certaines réticences sur le don.